de notre Dieu. Alléluia. Je salue l'Église au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, nous sommes là, c'est pour la conférence biblique. Et cette conférence table sur les phénomènes écriture. Et il y aura un grand sujet qui sera développé par nos deux intervenants de la soirée. Les sujets se présentent comme suite. En quoi l'Ancien Testament se décale et se rencontre du Nouveau Testament. Bien-aimé, na esikanini boyokani yakala ezako kesana pe ezako sangana na boyokani ya sika. C'est en fait ça les grands sujets. Et bien-aimé dans les seigneurs, avant on a présenté biso ba salia nzambe ou bakolie sape bakotali sabiso na oyo etali questionnement mounene oyo. Bien-aimé dans les seigneurs, na lina ebsebso boye, parmi biloko oyo ezo sala ke église ya Christ tope l'église dite chrétienne ekola malamute na boyebi ya oetali kolo tope nzambe probi Yesu Masia, c'est à cause ya bozangi, n'est-ce pas, compréhension ya makambo oetali écriture. Vous allez remarquer bato banso, ils sont en train d'œuvrer au nom des écritures. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est vraiment une conférence. Yaba oyo ba lingaka makambo etali liloba ya Nzambe. Ba oyo ba lingaka, bien-aimé, makambo etali bozindo. Et vraiment, Nzambe aza malamu nako monopoliser parole te parce que ba intervenant ba koyebisa biso na bozindo makambo oyo etali sujet oyo to koyekola mokolo na lelo. Et je vais directement passer à la présentation. Je vais commencer par un bien-aimé. Et ce bien-aimé ne cesse ces derniers temps de nous faire du bien à cause, n'est-ce pas, il y a succulence, il y a matière. Oyo Ezobima Nanzela Naye. Il est superviseur na service ya régie au sein de l'église Amial. Donc c'est un fils de la maison. Et je vais devoir inviter et faire lever également la salle pour dire honneur à la parole de Dieu et au porteur. J'ai fait appel à notre frère, les saints Chapi Aïfa, lorsque Azoya, on acclame, on rend grâce à Dieu. Merci. Le frère Aïf Fazozoa place. Vraiment tout bête à Isouma Bogomakasi. Merci, merci. Merci. Mon ami Aïfa, il est là devant vous. Moi je l'appelle les Saint Chapi et nous sommes désormais habitués. Bisouban Sotobeng Agaï Bongo. Merci les Saint-Chapi. Atigalipe à côté les Mapoa Yamba Molinga Minaye. Et là, je vais inviter un des encadreurs de l'église. Lui, il est chargé et spécifié à l'encadrement
nakati ya équipe ya évangélisation. Et là, nabengi pa Yannick Mbiavanga. Lorsqu'il vient, on acclame très fort pour le Seigneur. Voilà. Tant pa yazoya azozwesika. Voilà. Nakanisa natike la bango esika, ils ont une heure pour exposer ces grands sujets à quoi l'Ancien Testament se décale et se rencontre du Nouveau Testament. Maloba Omboka Bino. Merci. Assistance Toroki Kovanda. Shalom, shalom peuple de Dieu, bonsoir, est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'on peut manifester cette joie en acclamant très fort pour le Seigneur? Bien-aimé, aujourd'hui, c'est un jour spécial, amen. Parce que nous sommes dans une conférence et souvent la conférence parfois scientifique et spirituelle. Amen. Nous allons parler de la Bible et des Écritures d'une manière scientifique et spirituelle. Amen, amen. Parce que la Bible, c'est un livre spirito-scientifique. Amen, amen. Et aujourd'hui, avec la permissibilité de notre papa, nous allons un peu essayer d'ouvrir les Écritures et de faire comprendre au peuple de Dieu c'est quoi réellement les Écritures, c'est quoi réellement la Bible, naba compartiment n'angumi balé, l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen, amen. Avant de commencer, de donner la parole à mon très cher collègue Aïfa, je voulais d'abord rendre grâce à Dieu. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Grâce à lui que nous sommes là ce soir, dans ce cadre, pour la conférence. Et un grand merci également à notre papa, notre pasteur, notre père spirituel, notre mentor, notre coach, le docteur évangéliste Belinjo Ndatoko, pour ses marques de confiance. Je sais, quand papa nous a donné ce thème, j'ai dit à Ifa, Yango Amial, to kota université théologique, ton nini. Amen, amen. C'est très compliqué. Que le Seigneur continue à donner plus de connaissances à son serviteur, parce que ça nous aide, bien-aimés, à avancer sur le plan spirituel, sur le plan connaissance de la parole de Dieu et de la vraie divinité. Que Dieu bénisse notre papa. Et merci également aux encadrés spirituels. Bien-aimés, ce sont des hommes et des femmes vaillants, forts et puissants que Dieu utilise. Et à chaque fois, il ne cesse de nous donner le meilleur d'eux. Que Dieu bénisse ses saints serviteurs. Et merci également à vous peuple de Dieu, vous qui êtes là ce soir, c'est grâce à vous que nous allons annoncer la parole de Dieu. Alors je vais relayer la parole à mon ami, le Saint Chapi Aïfa. Oui, nous saluons aussi également nos amis du monde entier. Les amis qui sont éparpillés partout dans le monde, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie. Que Dieu de notre Père, le Dieu de notre Alliance, vous bénisse abondamment. Je passe la parole à mon très cher ami Aïfa pour l'exposer. Merci beaucoup mon cher encadreur.
J'ai dit bonsoir à l'église. Je me sens tellement honoré ce soir de partager cette table avec mon cher encadreur. Moi qui suis encore enfant auprès de vous, merci beaucoup. Merci à Ifa. Et aussi à papa. Je ne sais pas pourquoi je ne cesserai jamais de vous dire merci. Cette école est très difficile pour moi. Je passe des nuits blanches. Ça fait beaucoup de temps maintenant. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Les remerciements, comme l'encadré vient de le faire, et ça l'a mis de manière complète. Alléluia. Et maintenant, je vais vous énoncer l'essentiel. Il y a conférence Nabiso Napoko Alelo. Alléluia. Nous allons être bilingues pour faciliter une meilleure compréhension. Parce que tout ça, maman, bandeko, pour ça, nipé, nabamboula, tant que vous lancez Nabiso, et que semble bango ma difficulté, mon pied. Alléluia. Notre conférence biblique, comme papa vient de l'énoncer tout à l'heure, c'est le phénomène écriture. Le phénomène est au singulier, mais écriture est au pluriel. En quoi l'Ancien Testament se décale et se rencontre du Nouveau Testament? Alléluia. Dans notre exposé ce soir, nous aurons 6 points à éclairer. Alléluia. Pour ceux-là qui écrivent, le premier point, nous allons éclairer ce qu'on appelle source livresque des Écritures. Le deuxième point, l'Ancien Testament. Le troisième point, le Nouveau Testament. Le quatrième point, le décalage entre deux testaments. Le décalage des deux testaments, excusez-moi. Et puis cinquième, la rencontre des deux testaments. Et enfin, sixième, la conclusion générale des penseurs que nous sommes. Je vais laisser la place à l'encadré pour nous donner le choix du sujet. Le choix du sujet, bien-aimé, le choix du sujet ressort d'un entretien que le docteur évangéliste Ebeline John Jatoko nous a accordé sur l'impact des archives dans les écrits bibliques, d'autant plus que les archives constituent bel et bien un phénomène biblique. Nous avons fait ce choix par rapport à un entretien qu'on a eu avec papa à ce qui concerne les archives. Et nous avons compris, parmi les archives, la Bible aussi fait partie des archives. Alors, c'est ça, c'est par rapport à ce dialogue ou à cet entretien, ne pesaki biso likanisi topona sije oy. Je passe la parole à Ifa pour nous donner l'intérêt du sujet. Notre intérêt de ce sujet, l'intérêt de ce sujet se vaut double. Il est à la fois scientifique et spirituel. D'où on va parler du décalage et de la jointure de deux testaments. Notre encadreur, le but de notre sujet. Le but de notre sujet, l'objectif de notre sujet est de communiquer l'essentiel du contenu de la Bible au peuple de Dieu dans une dimension aussi scientifique que spirituelle. Nous espérons sincèrement que cette section vous aidera à mieux comprendre la Bible et vous encouragera à l'étudier d'une manière plus profonde, approfondie. Nos recherches. Nous avons utilisé la Bible, la version la plus utilisée bien sûr, Louis II 1910, et aussi avec les commentaires de John MacArthur de la nouvelle édition de Genève 1979. Et puis, après recherche, mémoire défendue à vie de l'obtention du grade de licence de licencié en sciences et techniques documentaires du docteur évangéliste Ebeline John Jatoko, incident des archives de la Bible, approche bibliologique. C'est ça les documents que le frère Arip nous présente ici, c'est le travail scientifique du docteur évangéliste Ebeline John Jatoko concernant les archives et la bibliologie. C'est ça notre source d'inspiration, et la Bible Louis II 1910.
Merci, cher encadreur. Nous allons maintenant passer à notre premier point, la source livresque des Écritures. Une question nous est posée pour savoir ceci. Quand la Bible a-t-elle été écrite? C'est une question que nous allons répondre tout au long de ces premiers points, la source livresque des Écritures. Les Juifs et les chrétiens considèrent tous deux de l'Ancien Testament comme la parole inspirée et inhérente des dieux. La Bible est un livre exceptionnel. Plus de 3 milliards d'humains la tiennent pour un texte sacré. On dit que c'est le best-seller de tous les temps, avec plus de 6 milliards d'exemplaires imprimés et vendus en tout temps ou en partie. En plus, avec plus de 2400 langues traduites. La Bible fut écrite en grande partie divine au 6e siècle avant notre ère, soit entre l'époque du prophète Ésaïe et celle du prophète Jérémie. Ces deux derniers siècles, les biblistes ont également affirmé que la Bible hébraïque a été rédigée et compilée en majeure partie aux époques perses et hellénistes du 5e au 2e siècle avant notre ère. Tous les textes de la Bible hébraïque dans sa forme actuelle remontent à l'ère hellénistique, peu avant le 2e et le 1er siècle avant notre ère. Comment un chrétien qui croit que toute écriture est inspirée de Dieu devrait-il considérer ses opinions contradictoires? La Bible nous dit ceci, Timothée 3, le 16e verset. Il n'y a pas de lecteur de la Bible, on peut lire. Oui, on peut nous aider avec la lecture, merci. Timothée 3, le 16e verset. Pendant qu'on cherche, je reprends ma lecture. Comment un chrétien qui croit que toute écriture est inspirée de Dieu devrait-il considérer ses opinions contradictoires? 2 Timothée 3, le 16e verset. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Christ, en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pour savoir ce que dit cette portion de l'écriture, examinons tous ensemble la chronologie biblique que l'encadreur va nous exposer. La chronologie biblique. La Bible hébraïque contient nombre d'indications chronologiques. Elle révèle que les premiers livres ont été rédigés du temps de Moïse et Josué il y a environ 3500 ans. Samuel, David, Salomon et d'autres ont ajouté leurs écrits au 6e siècle avant notre ère. On suivit les livres historiques, poétiques et prophétique qui date du 9e siècle au 5e siècle avant notre ère. Des copies ou des fragments de ces livres bibliques, sauf celui d'Esther, font partie des rouleaux de la mer morte. La datation au carbone 14, carbone des radioactifs, et la paléographie, entre parenthèses, l'étude des écritures anciennes, confirme que les plus vieux de ces rouleaux datent d'environ 200 ans avant notre ère. Réaliser un bon aperçu des écritures qui composent la Bible est un travail difficile. La Bible se compose de deux testaments, est une collection de 66 livres inspirés par Dieu. Elle compte 1189 chapitres, 31773 versets et d'environ 800 000 mots. Les différents livres de la Bible couvrent différents sujets et s'adressent à différents publics. Ils ont été rédigés par une quarantaine d'auteurs différents
sur une période d'environ 1500 ans. L'Ancien Testament est rédigé en hébreu par des rois, des prophètes et d'autres responsables d'Israël. Et le Nouveau Testament, quant à lui, en grec par les apôtres et leurs associés. En même temps, le Saint-Esprit qui est à l'origine de l'inspiration de la Bible, Dieu a soufflé sa parole et s'est servi des prophètes et des apôtres pour la mettre par écrit. De Timothée 3, 16, 17, de Pierre 1, 21, de l'interpellure de Pierre 1, 21, parce que de Timothée 3, 16, on a déjà lu. De Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De plus, le Saint-Esprit demeure en tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Romains 8, 9, 1 Corinthiens 12, 13. Romains 8, 9, 1 Corinthiens 12, 13. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Amen. Et nous continuons. Et veux nous aider à comprendre la Bible. 1 Corinthiens 2, 10. 16. Corinthiens 2, 10 à 16. Or, à qui vous pardonnez? 1 Corinthiens 2, 10 à 16. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11e verset. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12e verset. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13e verset. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14e verset. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15e. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Et le 16e verset, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Mon très cher Haïfa, tu peux passer. Notre deuxième point, nous allons donner une lumière
à l'Ancien Testament, la première partie de notre Bible. L'Ancien Testament est divisé en 5 sections. 1. Le Pentateuque, de la Genèse à Deutéronome. Les livres historiques, de Josué à Esther. Les livres poétiques, de Job au Cantique des Cantiques. Les prophètes majeurs, d'Ésaïe à Daniel. Et les prophètes mineurs, d'Osée à Malachie. L'Ancien Testament a été écrit entre 1400 et 400 ans avant Jésus-Christ environ. Il était principalement écrit en langue hébraïque, avec quelques petites sections écrites en araméen, une variante de l'hébreu. Parce que nous sommes dans une conférence bien nommée, je voulais préciser à ce qui concerne le prophète majeur et le prophète mineur. Ce sont des classifications théologiques. Ce n'est pas des classifications divines. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de grands et de petits. Amen. Ce sont les théologiens qui réfléchissent. Ça qui par rapport à écrit. Par exemple, le livre Isaïe a comment 66 chapitres. Le théologien va bien en haut, la Bible en miniature. Et aujourd'hui, par exemple, le livre il y a Amos, Ezara en a dans deux chapitres. Amen. Alors, c'est pourquoi ma théologie, ma lobby, ma grand, n'a pas petit prophète, topé, ma majeur, n'a pas mineur. C'est à cause de ça, parce que surtout lobby, ma grand, t'as placé Eliop, topé Élisée, topé Moïse. Que le Seigneur soit glorifié. Nous passons, nous continuons. C'était juste un éclairage. L'Ancien Testament traite principalement des relations entre Dieu et la nation d'Israël. Les Pentateuques traitent de la création de la nation d'Israël et de Dieu établissant avec Israël une relation basée sur une alliance. Le livre historique relate l'histoire d'Israël, ses victoires et ses succès, en même temps que ses défaites et ses échecs. Le livre poétique nous donne une perspective plus intime sur la relation de Dieu avec Israël et son désir ardent de recevoir l'adoration et l'obéissance de son peuple. Les livres prophétiques sont l'appel de Dieu vers Israël pour que son peuple se détourne de son idolâtrie et de son infidélité et pour qu'il revienne à une relation d'obéissance et de fidélité spirituelle. Après beaucoup de réflexions pendant que nous préparions ces moments, on a pensé à dire ceci. À la place de dire l'Ancien Testament, nous, avec nos recherches un peu plus avancées, on a préféré dire le Premier Testament. Pourquoi? Je lis. Au lieu d'Ancien Testament, le Premier Testament serait peut-être un titre meilleur. Le terme ancien renvoie à l'image de quelque chose qui est démodé ou qui n'est plus d'actualité, ce qui est loin d'être vrai. Se pencher sur notre résumé vide ensemble de l'Ancien Testament, jadis, nous allons comprendre que c'est une entreprise qui en vaut la peine. Pourquoi? Parce que elle est riche, remplie beaucoup de richesses, premièrement spirituellement, scientifiquement, historiquement, géographiquement, poétiquement et tant d'autres. Dans les textes anciens, on parle de l'ancienne alliance et non l'Ancien Testament. Et le terme testament a été mis en œuvre par les théologiens. Donc, ce ne sont pas vraiment des testaments. Parce que le testament entre en vigueur quand le testataire est mort. Mais avec la Bible, le testataire est encore vivant. Et il est vivant en éternité. Amen. Alors, il faut plutôt parler de l'ancienne et la nouvelle alliance. Parce que ce sont des alliances. Nous allons encheminer bien sûr notre troisième point d'abisso. Le Nouveau Testament. On est quand même un tout petit peu obligé de dire testament. Alléluia.
Mais on préfère dire... Pour une meilleure compréhension, Ifa. Voilà, pour une meilleure compréhension. Mais on aimerait vous proposer de dire la nouvelle alliance. Je cite. Le Nouveau Testament se subdivise en 5 sections. Comme l'Ancien Testament. 1. Les évangiles de Matthieu à Jean. La section historique, les livres des actes des apôtres, les épîtres pauliniennes de Romains à Philémon, les épîtres générales d'Hébreux à Jude, et la prophétie, les livres d'Apocalypse. Le Nouveau Testament a été écrit entre 45 et 95, ou soit 95, après Jésus-Christ, environ en dialecte grec. Koine, grec ancien, parlé à l'époque du 1er siècle après Jésus-Christ. Je voulais préciser quelque chose, mon très cher Haïfa, par rapport aux épîtres, à l'épître aux Hébreux. Beaucoup de théologiens ont fait des recherches. L'auteur, jusque-là, est resté anonyme et inconnu. Voilà. Mais par rapport à la profondeur des écritures qui regorgent l'épître des Hébreux, aux Hébreux, les autres théologiens, le Bakaïsa à Paul. Moi, je dis que c'est de Paul. Parce que la profondeur des écritures et l'inspiration incarnée à l'intérieur nous démontrent, les éléments de concordance nous démontrent clairement. Clairement que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Ça, la précision. Les évangiles nous donnent 4 récits différents, sans pour autant être en contradiction, de la naissance, de la vie, du ministère et de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Les évangiles présentent Jésus comme étant le Messie promis de l'Ancien Testament et pose le fondement de l'enseignement développé dans le reste du Nouveau Testament. Le livre des Actes relate les œuvres des apôtres de Jésus, les hommes que Jésus a envoyés dans le monde pour proclamer l'évangile d'Isalie. Il nous raconte les commencements de l'Église et sa croissance rapide pendant les premiers siècles après Jésus-Christ, les épîtres pauliniennes écrites par l'apôtre Paul sont des lettres adressées à des églises spécifiques enseignant la doctrine chrétienne officielle et la pratique qui doit suivre cette doctrine. Les épîtres générales concluent les épîtres pauliniennes par un enseignement et une pratique complémentaire. Les livres de l'Apocalypse prophétisent les événements qui auront lieu à la fin des temps. Chers conférenciers, un résumé, vie d'ensemble du Nouveau Testament est une étude puissante et enrichissante. Je reprends. Un résumé, vie d'ensemble du Nouveau Testament est une étude puissante et enrichissante. Le Nouveau Testament nous parle de la mort de Jésus sur la croix pour nous. Et ce qui devrait être notre réponse à sa mort substitutive pour nous. Le Nouveau Testament se focalise sur la communication d'un enseignement chrétien solide, ainsi que sur la pratique et les résultats qui doivent suivre cet enseignement. Maintenant, nous passons à Namama Lalikambo. Le décalage. Le décalage, c'est ici, là où il y a le problème. Voilà. Amen. Jusque là, on était encore historien. Oui. Maintenant, nous allons toucher les bases doctrinales et révélationnelles et épistémologiques révélationnelles des Écritures. Ici, les choses sont commises sérieuses. Alors, il faut vraiment beaucoup d'intention pour se rebassentir parce qu'après, ici, il y aura des débats. Je sais que même les docteurs, on aura des débats à la fin, mais nous sommes prêts. Amen. Nous sommes prêts. Amen, amen. Amen. Quatrième point, le décalage des deux testaments ou des deux alliances. Amen. Amen. Quel est le décalage entre
l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Ça, c'est une question. Sur le plan livresque, l'Ancien Testament commence par Genèse et finit par Malachie. Et le Nouveau Testament commence par Matthieu et finit par Apocalypse. Tandis que sur le plan doctrinal et révélationnel, l'Ancien Testament commence par la création de l'univers jusqu'à la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Soit de Genèse 1 aux Actes des Apôtres 1, 26. Et le Nouveau Testament commence par l'acquisition du Saint-Esprit et la prédication de l'apôtre Pierre jusqu'à nos jours. Soit des Actes des Apôtres 2 jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, ici nous devons vous expliquer clairement. Amen. Si on dit que l'Ancien Testament a commencé dans le livre de Genèse jusqu'à Malachie, sans c'est du plan de vie livre. Du point de vue livre. Et si le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance commence de Matthieu à Apocalypse, c'est du point de vue livre. Mais du point de vue doctrinal, du point de vue révélationnel, les livres de l'Ancien Testament commencent par la création du monde et se terminent par la mort, la résurrection et l'ascension de Christ. Parce que jusqu'à Matthieu, jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à la vie de Jésus sur terre, tout allait qu'un Ancien Testament. Parce que, bien-aimé, Jésus faisait qu'accomplir ce qui a été dit par les prophètes. Parce que ce qu'on a dit, l'évangile, au monde a actionné sur Jésus, pour l'écriture et l'écriture. Amen. Jusque-là, tout allait qu'il y a encore l'Ancien Testament. Tout allait qu'il y a acte premier. Vous allez remarquer que la Bible dit Jésus avant dit naba apôtre après avoir mouru ressuscité à monali na bango avant ni na bango 40 jours azolobela bango makambu o est concerné royaume des cieux. C'est que nous royaume des cieux baye bakiangote bazala ki non aveuglement. Et puis ce que comme une acte 8 on comprendre que jusque là les disciples bazala ki non ancien testament. Pourquoi? Parce que ils vont poser la question au Seigneur Jésus, jusqu'à quand tu rétabliras le royaume pour Israël. Donc, ils n'ont pas compris qu'ils n'ont noté que Jésus était déjà là pour rétablir le royaume d'Israël. Or, le royaume d'Israël, proprement dit, selon la révélation des Écritures, ce n'est pas Israël physique. C'est l'Israël spirituel. En ce moment-là, tu confirmes ton lobby que jusqu'à la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus, tout ça qui est dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament est bandi dans Acte 2. Lorsque l'effusion du Saint-Esprit est salamaki. Et lorsque l'apôtre Pierre a télémi, a annoncé bonne nouvelle, a annoncé parole du Christ. Maintenant, l'apôtre Pierre ne parlait plus de Jésus autrefois. Messie, oh Israël, a bandé au Zéla. Maintenant, l'apôtre Paul a commencé de parler de Jésus-Christ que le monde entend abandonner causé là pour une transformation véritable, pour une nouvelle vie, pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Ogoyoka, Batouana Balobi, ces gens-là ont eu le cœur vivement touché, pe batuni bango to sala nini. Ne bango ba yebisi bango ki repentez-vous. Amen, amen. C'est là où la nouvelle alliance a commencé. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Le Messie est identifié comme Jésus de Nazareth en raison des explications données dans l'Ancien Testament. Le Messie est identifié comme Jésus de Nazareth. Kolandi sama explication oyo ancienne alliance et pesaki. Ba pesaki Jésus de Nazareth par rapport ya situation géographique bisika kolelaki. C'était une connotation ou nomination moko purement physique. Non. Ça c'est l'ancienne alliance.
Testament ou la Nouvelle Alliance, Jésus est identifié comme le Christ. Si dans ce que l'obéit Jésus de Nazareth, c'est que tu as l'Ancien Testament. Mais quand tu parles de Jésus-Christ, nous sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance. Parce que la Nouvelle Alliance reconnaît le Fils comme étant le Christ, le Sauveur de l'humanité. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu sais comprendre? Yes. Maintenant, nous allons avancer avec les décalages. Les éléments probants du décalage entre les deux testaments. Mon encadreur. Les décalages dans les commandements. Amen. Amen. Ici, si dans la nouvelle, dans l'ancienne alliance, il y en avait 10, mais dans la nouvelle alliance, il n'y en a qu'un. Ça, c'est un décalage. Oyo, ils ont démontré bisoké dans l'ancienne alliance. Topé dans l'ancien testament, autobenga couramment. Commandement est à la guise, les 10 commandements de Moïse. Mais dans la nouvelle alliance, selon Christ, selon l'apôtre Paul, commandement est à la moko. Rigo, tu vas lire Romains 13, le 9e verset. Nandako otanga pe Matthieu 22, 36, 39, Jean 13, 14. Mais ici, nous allons lire Romains 13, le 9e verset. Romains 13, 9e verset. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Je crois qu'en cela, on s'est mis d'accord. Amen. Haïfa. Le deuxième décalage. Les chrétiens ne sont pas sous la loi de Moïse. Je cite. Le fait que Christ dise « Je ne suis pas venu pour abolir » alors que Paul dit explicitement par l'Esprit de Christ que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Mon cher ami Rigen, tu peux nous prendre Romains 10, le 4e verset. Romains 10, 4e verset. Car oui. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous êtes chrétien comme moi. Alléluia. Amen. Et donc, justifié par la foi en Christ. Ce texte affirme donc que la loi de Moïse n'a plus une obligation sur notre vie. Je reprends. Ce texte affirme que la loi de Moïse n'a plus une obligation de s'accomplir sur nos vies. Amen. Amen. Ici encore, je sais que un grand débat va se faire. Débat Mourego Sala Mamakasi, il y aura un grand débat. Le troisième décalage. Nous sommes prêts. Amen. Amen. Nous sommes fils du docteur évangéliste Ebeline Zonza, nous sommes prêts. Amen. De lancer débat. Entre le baptême des gens et celui de Christ, un décalage se fait ressentir. Bien-aimé dans le Seigneur. Si le baptême est la porte qui donne accès à la vie chrétienne, à la vie en Dieu, il est le fondement de toute la vie chrétienne. Pour dire une intronisation à la vie chrétienne. Alors là, on parle du baptême de Christ. Tandis que celui des gens nous a la repentance comme celui de Noé. Nous ramène à la repentance comme celui de Noé. 1 Pierre 3, 21, partie A. Acte 1, 5, acte 19, 2, 5. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais
l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Acte 1, 5e verset. Acte 1, 5e verset. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 19, 2, 5. Acte 19, 2, 5. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qui est du Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Cinquième verset. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Éphésiens 4, le 4e verset jusqu'au 5e. Éphésiens 4, 4 à 5. Oui. Il y a un seul corps et un seul esprit, mais un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais vous expliquer. Jusque-là, je vais dire au pasteur qui prend les enfants, jusque-là, Bazo accomplir encore la loi de Moïse. Amen. Parce que le baptême des gens, c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas différent des vases de la purification. Eux, ils ont servi dans la purification dans le temple. Parce que le baptême des gens sert seulement à la repentance. La Bible dit même Noé, moule un délige, et serva qui bango baptême. Amen. Mais le baptême qui intronise à la vie chrétienne, à la vie de Christ, c'est le baptême de l'Esprit. C'est ça le baptême de la nouvelle alliance. C'est pourquoi Éphésiens a dit, il n'y a qu'un seul baptême. Amen, amen. Est-ce que tu sais faire comprendre? Na côté wana, il y a décalage entre le baptême des gens et le baptême de Christ ou le baptême du Saint-Esprit. Mon ami Rigo, prends-nous Hébreux 1, 1 à 2. Le décalage dans l'exercice de la prophétie. Hébreux 1, 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes. Le plus grand décalage qu'on peut rencontrer entre ces deux testaments, c'est base na kati ya exercice, ya prophétie oyo. Yes. Autrefois, Dieu parlait exclusivement qu'aux prophètes. Mais à la nouvelle alliance, Dieu parle par les fils. Si ce n'est pas les fils, Dieu ne pourra plus parler. Parce que les fils appellent héritage à l'unoko nyonso. Alléluia. En Christ, comme Bissot aux Akatinaye, le col à Christ a hérité à Biloko Nyonso, Bissopeto continue à 4 héritages. Quand Dieu parle par Christ, en réalité Dieu parle aussi par toi et par moi qui êtes dans la nouvelle alliance. Bien nommé, le décalage entre les deux testaments, c'est le lieu d'adoration. Amen. Amen. Le décalage entre les deux testaments, sur le lieu d'adoration. Si dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, le lieu de l'adoration est divin et défini en rapport à un endroit géographique, dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, Jésus a imposé un décalage en déclarant ce qui suit. Jean 4, 21. Jean 4, 21e verset. « Femme, lui dit Jésus,
crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, nous allons conclure ceci en disant, la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, l'adoration se passe dans le cœur. En outre, c'est l'expression d'une vie transformée en Christ. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Le décalage sur la Pentecôte. Alléluia. Si on peut définir la Pentecôte, on peut définir de deux manières. De l'ancienne alliance et de la nouvelle. Nous allons d'abord commencer par l'ancienne alliance. C'est quoi la Pentecôte? Pendant que dans l'ancienne alliance ou dans l'Ancien Testament, la Pentecôte est célébrée comme la fête de la récolte. Alléluia. On peut voir ça dans Exode 34, le 22e verset. Et la deuxième définition qui nous concerne, nous, de la Nouvelle Alliance, est que la Pentecôte est commémorée comme la fête de l'effusion du Saint-Esprit. Ça, on peut lire. Actes 2, 3 à 4. La deuxième définition qui nous concerne par rapport à la Pentecôte, c'est un grand décalage entre ces deux testaments. Pour nous, elle est commémorée comme une fête qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit. Actes 2, 3 à 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Les décalages entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive est symbolique. La Pâque chrétienne est une vie. La Pâque juive et la Pâque chrétienne sont liées, mais possèdent une signification différente. La Pâque juive, Pessa, constitue à commémorer un événement biblique particulier, l'évitement par les Hébreux de la 10e plaie d'Égypte, la mise à mort de tous les premiers-nés par la volonté de Dieu et leur libération d'Égypte. Exode 12, 25, 27. Pâques chez les chrétiens commémore les derniers jours de la vie du Christ, notamment la scène, la passion, la résurrection, événements décisifs qui se sont déroulés lors de la festivité de la Pâque juive à Jérusalem. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7e verset. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors que l'Ancien Testament concerne le destin du peuple élu, le Nouveau Testament porte une promesse plus universelle. Je reprends. Alors que l'Ancien Testament concerne le destin du peuple élu, le Nouveau Testament porte une promesse plus universelle. Jésus s'adresse à tous les hommes et non pas seulement aux enfants d'Israël. Donc la Pâque juive, c'est pour les enfants d'Israël, mais la Pâque chrétienne, c'est pour tout le monde. Tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. C'est une vie de transformation. Nous passons maintenant au point 5.
la rencontre des deux testaments. Pourtant, ils s'inscrivent dans les mêmes traditions. À noter que testament signifie témoignage, mais aussi contrat ou alliance. L'Ancien Testament relate l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple Élie. Le Nouveau Testament signe une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes par l'intermédiaire de Christ. Là maintenant, nous allons aller texte après texte. Le point de jointure entre les deux testaments. Le point de jointure entre les deux testaments. 1. Les alliances. Je cite. Les deux testaments nous démontrent que la force de la divinité est basée sur les alliances. Genèse 9, 9. Je reprends. Les deux testaments nous démontrent avec efficacité que la force de la divinité est basée sur les alliances. Genèse 9, 9. Voici. J'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Genèse 17, 2 à 4. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Jérémie 31, 31. Jérémie 31, 31. 31, 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Courons aussi vers Hébreux 8, 7 à 8. Hébreux 8, 7 à 8. Hébreux 8, 7 à 8. En effet, si la première alliance avait été son défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ok. Car c'est avec l'expression d'un blême que le Seigneur dit à Israël. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Prends Marc 14, 24. Marc 14, 24. Marc 14, 24. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Et enfin, nous allons prendre Jean 15, 15, que nous connaissons tous. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Amen. Le point de jointure, on a cité un, les alliances, nous montre réellement que dans tous les deux testaments, est une force basique de la divinité. Alléluia. Jean 15, 15. Oui. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Est-ce qu'un ami de Dieu peut rendre grâce à son Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce qu'un ami de Dieu peut pousser des cris de joie? Gloire au Seigneur. Le deuxième point, la parole de Dieu. Le deux testaments nous montre que la puissance de la divinité réside dans la parole de Dieu. Josué 1, 8. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 33,
6, 9. Psaume 33, 6, 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'air armée par les souffles de sa bouche. Il amoncelle un tas les eaux de la mer, et il met dans le réservoir les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Le 9e verset. Car il dit, et la chose arrive, il l'ordonne, et elle existe. Romains 1, 16. Romains 1, 16e verset. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour les salis de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Enfin, Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Nous avons tous compris que et l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, bangonyonso, bayebisibisoke, parole de Dieu, yangonde puissance sa divinité. Amen, amen. Le troisième point des jointures, la prière. Le Deux Testaments nous montre que la prière est le point de contact entre l'homme et Dieu. Je reprends, le troisième point des jointures. Le Deux Testaments nous montre que la prière est le point de contact entre l'homme et Dieu. Et est également la voie par excellence pour obtenir la faveur divine. Psaume 65, le troisième verset. Psaume 65, troisième verset. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Deux Chroniques 7, 14. Deux Chroniques 7, 14e verset. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Matthieu 6, 6. Une prière que nous connaissons tous. Alléluia. Amen. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Et puis pour finir, 1 Pierre 4, le 7e verset. 1 Pierre 4. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La prière nous montre correctement et précisément qu'il est le point de contact entre l'homme et les divins. Sans la prière, il est impossible à l'homme de recevoir les faveurs divines. Le quatrième point, la foi. Le Deux Testaments nous montre que la foi est le moyen le plus fiable de recevoir ou de saisir la promesse divine. Habakkuk 2, verset 4. Habakkuk 2. Habakkuk 2, quatrième verset. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22e verset. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous allons, là, vous allez aller lire à la maison, Hébreux 11, 4 à 40. Ici, bien-aimés,
le livre ou l'épître d'Hébreux ezakola kisabiso banda et bandeli. Comment les héros de la foi ont réussi à obtenir des choses à Dieu par la foi. Amen. Amen. Il nous a parlé d'Abel, d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Amen, amen. Amen. De Sarah. Amen. Les héros de la foi, bango nyonso, depuis l'Ancien et le Nouveau Testament, ba vandana Hébreux 11, 4 à 40. Un autre point de jointure, le sacrifice et la sanctification. Le Deux Testaments nous montre que les sacrifices et la sanctification sont des ponts qui nous mènent à vivre dans la plénitude de la présence divine. Je reprends. Le Deux Testaments nous montre que le sacrifice et la sanctification sont des ponts qui nous mènent à vivre dans la plénitude de la présence divine. Prenons Jonas 2, le 10e verset. Jonas 2, 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. On peut lire à la maison. Lévitique 22, le 32e verset. Ésaïe 6, 3. Lévitique 19, 2. 1 Thessaloniciens 4, 7. 1 Corinthiens 6, 11. Jean 15, 13. Éphésiens 5, 2. Et puis Hébreux 9, 28. La semence et la moisson. La loi de la semence et de la moisson est commode pour une jointure entre les deux testaments, signe efficace de l'accomplissement de la promesse. Psaume 26, 5e verset. Psaume 126, pardon. 5e verset. Psaume 126, 5e verset. Ceux qui sèment avec l'arbre moissonneront avec chant d'allégresse. Genèse 8, 22. À lire à la maison. 2 Corinthiens 9, 6. Et Jean 4, 36. 2 Corinthiens 9, 6e verset. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ici, bien nommé, et l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, Bazola qui s'abisse au bruit. Pour obtenir des faveurs en termes matériels et pas en zambé, loi isaka kamoko, kolo nana kubuka. J'ai mis une fois, tout ce qui n'a papa na voiture, tout ce là, ce qui concerne la richesse, il y a l'eau à ebisagibiso l'eau au moro boye, que ce qui te lingi te obtenir richesse, to eba ko pesa. Na ancien testament, na nouveau testament, balaksibiso kaka, moyen moko. Tu ne peux pas bénéficier de la richesse de la part de Dieu, ce qui oyebi ko pesa te. Yango 1 Corinthiens lobi oyazo pesa mukie akozo ape mukie oyazo lo ne belé akobuka pe ebelé. Le tout dernier point de jointure entre les deux testaments, la promesse et l'accomplissement. Le point de jointure probant entre les deux testaments et que l'un détient la promesse et l'autre la réalisation. Je reprends. Le point de jointure probant entre les deux testaments est que l'un détient la promesse et l'autre la réalisation. Prenons Ésaïe 9, le 5e verset. Ésaïe 9, 5e verset. Car un fils nous est né. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
à lire à la maison. Michée 5, le premier verset. Matthieu 2, 5 à 6. Matthieu 2, 5 à 6. À lire à la maison. Luc 2, 11. Ésaïe 61, 1 à 3. Luc 4, 16 à 21. Le sixième point. Le sixième point. Pour conclure. Le sixième point pour conclure. La conclusion générale des penseurs. Notre conclusion, étant que penseurs et chercheurs, nous a amené à ce qui suit. La Bible est une et indivisible, surtout pour nous chrétiens. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible, seulement des paradoxes. Il est important de noter que les prophéties faites dans l'Ancien Testament sont toutes accomplies par les évangiles dans le Nouveau Testament. Les quatre évangiles sont tissés de citations directes ou indirectes de l'Ancien Testament. Peuple de Dieu, écoutez très bien. Aucun de ces deux testaments ne peut avoir un sens salutaire sans l'autre. Je reprends. Aucun de ces deux testaments ne peut avoir un sens salutaire sans l'autre. Les deux testaments sont divinement joints pour accomplir l'œuvre salvatrice de la croix. Et nous précisons une chose, chers bien-aimés, que Christ est le plus grand personnage de la Bible, depuis la création jusqu'à l'éternité. De Corinthiens 3, 3, 18e. C'est ici que nous allons conclure. De Corinthiens 3. À partir du 3e verset jusqu'au 18e. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Quatrième verset. Attends, Rigo. Ici, l'apôtre est en train de nous démontrer que si l'Ancien Testament sont des simples écritures, mais le Nouveau Testament, c'est une vie. Amen. L'Ancien Testament, ce sont les écritures écrites par des feuilles ou des pierres, mais le Nouveau Testament sont des écritures écrites par la chair. La chair, c'est toi, c'est moi. L'Ancien Testament, bien-aimé, est basé dans la loi de Moïse. Mais le Nouveau Testament est basé dans la Bible. C'est une vie, c'est un témoignage. Bien-aimé, le Nouveau Testament, c'est la personne de Christ, Oya Vandikatinabiso, Oya manifesté à travers la transformation de l'homme intérieur, nos témoignages, notre manière de marcher, notre manière de parler, notre manière de faire les choses. C'est pourquoi l'apôtre a dit, vous êtes manifestement une lettre écrite, non par de l'encre, mais par l'Esprit de Christ. Et l'apôtre Paul précise encore une chose. Nous avons entendu le vocable dans l'Ancienne Alliance, mais aujourd'hui nous sommes devenus pratiques, c'est-à-dire on peut nous palper, on peut nous toucher de la Nouvelle Alliance. Continue, Rigo. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre. Ici, bien-aimé, mais l'esprit. L'apôtre Paul est en train de parler de la sacrificature et du sacerdoce. Si autrefois, la sacrificature était réservée à un tribu ou à un peuple, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, par l'œuvre de la croix, il a fait de nous tous royaume des sacrificateurs pour Dieu. Amen. C'est pourquoi ces jours-là, quand il y a eu tremblement de terre à la croix, les rideaux du temple s'est déchiré en terre. Il nous a donné l'accès au lieu saint et au lieu très saint. Aujourd'hui, le lieu très saint, c'est nos cœurs. Amen. Là où Jésus-Christ de Nazareth, là
choisi le puissant vainqueur azo vanda pe azo témoigner. Bien nommé évangile nyonso o bakoye la biso makambo sacerdoce o sacrificateur o ba rabbin juif, ce sont des évangiles mortes. Et l'écart, nous, notre évangile, c'est les sacerdoces royales, les sacerdoces de Christ. Notre évangile est témoigné par nos œuvres. Nous sommes tous royaume des sacrificateurs de Dieu par Jésus-Christ qui nous a aimés. Amen. Et j'aimerais conclure sur base de ceci. Je pense bien évidemment que nous avons atteint notre but du sujet. Amen. Qui était, je cite, de communiquer l'essentiel du contenu de la Bible au peuple de Dieu que vous êtes, dans une dimension aussi scientifique que spirituelle. Nous avons espéré que cette section allait vous aider à mieux comprendre la Bible et de vous encourager à l'étudier de manière la plus approfondie. Bien nommé, si la gloire de l'ancienne alliance, a été voilée par lui-même Moïse, mais nous, notre gloire, c'est la liberté en Jésus-Christ. Nous, notre gloire est manifestée par la puissance de la croix, par la puissance de Jésus-Christ. Nous, notre gloire est manifestée par la parole de Christ. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.